Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Loserty. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau challenge qui sera de gagner avec ce deck. Alors, pourquoi ce deck? Tout simplement parce que quelqu'un m'a fait remarquer dans les commentaires qu'il y avait 8 évolutions et que ce serait pourquoi pas une bonne idée de faire un deck avec ces 8 évolutions et de tester. Bon, bien sûr, les 8 cartes ne seront pas évoluées dans cette vidéo. Seulement l'artificier, d'ailleurs, c'est la seule que j'ai en évolution. Et on va voir ce que ça donne ce deck avec toutes ces cartes. Et on va essayer de faire un maximum de victoires. C'est parti. Et on se retrouve directement dans la première game contre Corbanks. Et il nous joue tout simplement un Fuu à Gobelin qui est... Ah, je sais pas. Ah ouais, Barbare niveau 12. Ok, j'ai un niveau 13, ça va. En vrai, ça passe. J'aurais pu améliorer mes barbares par contre, en vrai. Mais bon, c'est pas grave, on va mettre un mortier tranquillement pour aller essayer de gérer la sorcière. Voilà, c'est pas mal. Et en vrai, ce que je pense qu'on va faire, surtout s'il met une boule de feu comme ça, c'est qu'on va cycler notre première artificière. J'ai même envie de push au golem, au golem, au géant. Et ça peut être pas mal parce que ouais, je me doutais qu'il allait activer la tour, donc autant la protéger un petit peu pour en profiter. Ici, bien sûr, on va la protéger de la mousquetaire. Là, si on peut la garder en vie. Et peut-être même push au mortier avec ça. Franchement, il y a un truc à tenter. Ok, le mortier qui connecte sur la tour déjà. Le mortier qui connecte sur la tour, il est obligé de ouais, d'utiliser des scuds pour tanker un petit peu avec le chevalier. Et on va mettre, je sais pas si on en a mis deux déjà. Du coup, un petit troisième là. Voilà, un petit troisième. Ça fait plaisir. En vrai, go recrue, hein. Ouais, go recrue fond de map. Tranquillement. Tranquillement. Ok. Est-ce que je mets une artificière sur ça? Je pense que oui. Comme ça va pouvoir un petit peu l'embêter en même temps si ça peut gratter un peu la tour. Bon, par contre, si elle bug sur les squelettes comme ça. Ouais, c'était pas terrible en vrai. En vrai, c'était pas terrible. Je vais défendre avec les chauves-souris et. Ouais. Bon, barbare. Barbare, histoire de dire. Ouais, ok. Bon, est-ce qu'on part? Ouais, est-ce que. Je sais pas s'il a déjà cyclé sa boule de feu. En vrai, si on peut forcer sa boule de feu avec les barbares. Pour derrière mettre une bonne artificière, ça peut être intéressant. Surtout que là, il va bientôt être obligé, je pense, Ok. Franchement, si je force sa boule de feu, là, je suis très très bien. Ah ouais, mais là, il n'est pas intelligent après le mec. Là, il fait pas forcément spécialement beaucoup d'efforts en vrai. Hein. On peut clairement push. Il va mettre son canon. Le truc, c'est qu'il va vite cycler sa boule de feu, malheureusement, je pense. Et je pense que c'est pas vraiment opti de jouer un mortier du coup. Allez, connect. Allez. Oh. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. On va préparer déjà à cycler. Ça, c'est bien. On peut défendre parfaitement le fût. Ah, c'est un peu dommage quand même que la mousquetaire, elle soit pas à portée de la tour. Et là, c'est le push, là. Là, c'est le push. Ça a connecté sur la tour. Là, il suffit de tenir, là. Là, faut tenir. Alors, bien sûr, on n'a pas de dégâts directs sur la tour. Petite artificière ici. Est-ce que ça finit? Ça finit? Ça finit la tour, première game, première victoire dans cette vidéo. Ça commence super bien. Je crois qu'on a joué toutes les cartes sauf les recrues. Mais en tout cas, ok, pour l'instant ça marche assez bien le deck. On va essayer dans une deuxième game. C'est parti. Et du coup, deuxième game dans cette vidéo contre The Beast. Et on va peut-être partir directement avec un mortier au pont. Et voir ce que ça donne. Ok, nous jouons une mousquetaire encore. Ça va faire des dégâts, ouais. On va mettre les barbares autour du méga chevalier. J'ai toujours pas pensé à les améliorer. Dommage. Je pense pas que ça aurait fait une différence forcément, mais. Et là, on va défendre simplement. Oula. Oula, petit lag en plus. Ok, on part en recrue. Ouais. Ça va défendre la mousquetaire avec. J'obtiens un petit peu le push sur la gauche. Et ça lui force un gang, ouais. Ok. Ok. Bon, il a mis un petit peu plus de dégâts que moi, mais en vrai, ça passe. Et là, je peux peut-être push au GR. Je sais pas s'il a un bâtiment. On va voir ça.
Oh, il joue les barbares. Il joue les barbares, ok. On va juste défendre avec notre artificière, ça devrait faire largement le travail. À part si elle bégaye pour rien. Ok. Ouais. Oh, ça reste en vie, nice. Bon, parfait. Parfait. Je pense pas que je vais repartir au mortier tout de suite. Peut-être on peut recruter fond de map en vrai. On va partir en recrue fond de map tranquillement en attendant le foie d'élixir. Il va falloir faire. Ah, il a quand même beaucoup de troupes. Il a sorcier, sorcier électrique, mousquetaire. Ouais. Oh. Ça fait mal ça. Ok, on tank avec ça. On tank avec ça. Est-ce qu'on peut potentiellement attirer le Mega Knight? Ouais. C'est pas mal. Ok, on essaie de protéger notre artificier au maximum. Ok, on a l'artificier évolué. On va laisser sauter à gauche le Mega Knight. Je sais pas de quoi le défendre forcément bien. Là, il protège juste avec des flèches. Oh, ça met deux coups. Ça met deux coups. Et là, on va essayer un push un petit peu plus conséquent. Ouais, allez, tire, tire, tire. Nice. Ça connecte à la tour, ça connecte à la tour, ça connecte même très bien à la tour. On va prendre la tour sur ce push, je pense. Ouais, on prend la tour, je pense. On prend la tour, parfait. Deuxième game, deuxième victoire dans cette vidéo. Franchement, ça se passe super bien pour le moment. Et on va se retrouver dans la troisième game de cette vidéo. On veut le perfect. Et du coup, troisième game de cette vidéo contre Barto. Et on veut le perfect. Ici, on commence déjà à cibler notre artificière. Pour aller le plus rapidement. Oula, 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 oula. Ça touche la tour là. Eh, le barbare d'élite, à un moment. Je peux pas avoir des réflexes suffisamment humains pour. C'est trop les réflexes qu'il faut pour pas se prendre de coups avec cette carte sauvage. Bon, le sorcier, je pense qu'on va pas le défendre. On va égaliser un petit peu nos deux tours. Je vais partir en mortier. Partir en mortier. Oh non. J'hésite à pré-shot et j'aurais pu pré-shot et après j'aurais mis des barbares et là j'aurais été ultra bien dans la game. Oh mais attendez. Parce que là en soi. Donc en fait il a barbare d'élite, mini PK, TDE. J'apprécie. Pour l'instant j'apprécie mon début de game. Je vais faire gaffe quand même à ce qu'il va me mettre derrière. Parce que ouais bah voilà. Typiquement. Ok ça va. Ça va, pour l'instant on s'en sort bien. En soi, il y a des trucs à faire. Parce qu'en soi, si je mets un mortier qui me met une TDE et que je préchote avec mes squelettes, derrière je peux mettre mes barbares. Là par exemple, je pense que je vais juste défendre en barbare. J'espère que ça fait la tête faire quand même. Hein. Ouais, quand même. Quand même, quand même, quand même. Ok, en vrai, il y a des trucs à faire, même avec les recrues en soi. Je pense que je vais me les garder pour défendre les barbares d'élite au prochain coup. En soi, je pense que je peux mettre mortier. Faire gaffe à sa TDE. Ouais. Bon, ok. Ok, ok. Comment je vais défendre ça, là? Est-ce que si je mets chauve-souris... Ah, oh, j'ai attendu trop longtemps. J'ai attendu beaucoup trop. Ok, ça va. En vrai, ça va. Ouais. On va pouvoir push un petit peu sur ce côté. Comme ça, s'il mettait deux, franchement, il est pas hyper intelligent. Bon, bien joué à lui. Parce que là, en vrai, sa bûche a été bien jouée. Elle était anticipable, mais il fallait quand même le faire. Et là, je pense que je vais défendre au recrue royal. Parfait, mon artificier qui gratte un petit peu sur sa tour. Ça me remet un peu bien dans la game. Même si en soi, je suis déjà devant lui, mais... Ok, alors là, ça par exemple, il va falloir faire gaffe à bien les défendre. Ici, je vais tanker au géant royal, ça va mettre une petite pression en même temps. Si ici, je peux mettre un mortier, parfait. Je fais gaffe à son mini PK. Il met une bonne bûche. Allez, oh, ça gratte bien à droite, ça gratte bien à droite, ça gratte à gauche aussi.
Et à droite, ça va prendre la tour. Ça va prendre la tour et ça va faire un 3 sur 3 avec les évolutions. Le deck est bon. Le deck est bon. Le deck, on n'a rien à dire. 100% de victoire avec. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, du coup, aux 500 abonnés, je pense que je ferai un clan que vous pourrez rejoindre. Et on fera des petites sessions où je vous invite un. Ce sera plus simple comme ça. Et enfin, ce sera pas. Je sais pas si ce sera un clan sérieux, mais en tout cas, ce sera premièrement un clan pour que vous puissiez faire des petits combats et qu'on puisse faire tous des combats ensemble. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées de challenge un peu dans le même style que là, je viens de faire un challenge qu'on m'a proposé hier avec toutes les évolutions. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et si les idées sont bien, je les referai en vidéo. En tout cas, c'était la Lozerty. Comme tous les jours, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, à demain, du coup. C'était la Lozerty. Ciao.